Yo les gens, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Red Dead Redemption 2. Donc dans cette vidéo les gens, nous allons pêcher la chigan à petite bouche légendaire qui se trouve sur le lac Owanira. Voilà. Donc est-ce que... Non, il n'y a plus le canoë de tout à l'heure. D'accord. Oh putain, c'est quoi ça? Oh merde. Oh non. C'est un rat musqué, mais vu que je l'ai écrasé avec mon pied, ça se trouve il est plus 3 étoiles. Ah merde. Je suis sûr que sa poêle est en mauvais état, c'est obligé. Voilà, c'est obligé. C'est obligé. En plus, ce qui vient, c'est que ça se trouve, il aurait pu être. Ça aurait pu être une tour 3 étoiles. Voilà. Mais bon, on s'en fiche, on n'est pas là pour les rats musqués, même si c'est aussi un bon endroit pour chasser des rats musqués ou des castors. Voilà, donc pour chasser la chigan à petite bouche, vous pouvez utiliser le lark, le leurre de lac spécial ou de rivière spéciale. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre lui de lac. Parfait. Donc là, j'utilise la vue concentrée, voilà, l'œil de lynx, on va dire. Et là, pour le coup, je le vois pas. Non, là, pour le coup, je le vois pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Est-ce que je suis sur le bon rocher? Oui, je suis... Sur le bon rocher, ouais, c'est bon, il est là, je l'ai vu. Donc on va donner un tout petit coup, donc ça c'est pas du tout ce qu'on veut. On va, dans toutes les vidéos de la pêche, je vais vous montrer ma technique pour ceux qui regardent pas les trucs précédents, qui n'ont pas encore regardé. Tout simplement, est-ce que là ça c'est proche? Ouais, ça c'est proche. Donc je vais faire le poisson une fois, je tourne, voilà, je regarde si le poisson qui nous intéresse va venir. Pour le coup là je le vois pas encore, ça se trouve il est pas encore là, enfin il va arriver. Je veux dire, donc quand on le voit, il arrive comme une flèche. Hein. Voilà, il arrive. Mais je veux pas. Voilà, lui, je le veux pas. Je sais que c'est pas lui, donc je ne pêche pas. On peut voir que ça fait plusieurs fois. Hein. Je sais pas c'est quel poisson, je le vois pas. Pareil, donc là, on voit que c'est pas lui. Tant pis, on relance. Ensuite, on regarde. Est-ce qu'il va venir? Il a l'air d'être au fond. Je vais faire le poisson une fois, deux fois. Deux fois, c'était pour bien qu'attirer l'autre, hein, vu qu'il était loin. Ah, maintenant, à voir s'il est là ou pas. Il est là, il devrait arriver. Donc, il arrive vers les 3h1. Hein. Je voudrais refaire mon œil de lynx. On dirait pas qu'il est là. Ça m'énerve un peu, ça. Ah voilà, il s'est écarté. Et c'est lui qui repart, il s'est écarté. Bon, ça, la pêche ici, elle est bonne, hein, voilà, là, elle est bonne. Enfin, pour le coup, elle est pas très bonne, là. Mais je veux dire, le spot est très bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Pareil, ici, j'ai pas envie d'y aller. Je vais attendre à ce que je peux aller là. Non, là, c'est un peu trop dangereux. Voilà, maintenant, il est là-bas, c'est sûr. Non, alors, non, pas ici. Alors, parfait. Je lance mon leurre une fois. Ici, où est-ce qu'il est ici? Ici, ça a l'air pas mal. Je le fais deux fois parce qu'il a l'air vraiment loin. C'est lui qui est là. Et hop là, et regardez, tac, il est vers nous. Il bouge plus. Et on peut le pêcher. Bon là pour le coup ça a pas trop marché en vrai. Voilà, il fallait juste que je tourne un peu le truc. Et hop là. Parfait. Oh les branchies là. Oh, c'est pas beau. Donc on peut voir, voilà, je vous le mets un peu de haut, vous pouvez voir. Donc franchement, on pourrait croire qu'il pèse vraiment lourd. On pourrait croire qu'il est vraiment plus lourd que le saumon rouge légendaire. Je cherchais c'était quel poisson. Donc il pesait 24 kilos, là il pèse que 10 kilos, et moi je pensais vraiment qu'il allait peser vers les au moins les 30. Donc on raconte que les hachigans à petite bouche de taille exceptionnelle vivent à Owanrila, attirés par les leurres spéciaux de lacs et de rivières. Donc je garde. D'accord, donc on va garder, on va monter ici, si on peut bien sûr. Ok, bon, on n'a pas l'air de pouvoir... Oh merde, shit. Bon, je le prends. Attends, 2 secondes. Parfait.
Ah oui, mais alors là, si pareil, on peut pas le prendre si ça bloque encore le truc là, ça me saoule. Yes, non, 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 non. J'ai de la chance parce qu'à un moment il était tombé dans l'eau, donc j'étais en train de. Ah, attendez. On va peut-être pouvoir. Non, pas par là. Je tente un truc. Parfait. Parfait. Voilà, c'est bon. Il est enfin à nous. Donc on charge sur le comte. J'ai renommé Elsa le comte, hein. C'est pas un autre cheval, c'est juste que j'ai renommé. Donc on peut renommer le cheval parce que d'habitude c'est mon cheval. Donc on va l'emmener au bureau de poste de Strawberry. Donc il se situe ici, voilà, au lac Oumorilla, juste vraiment à l'ouest de Strawberry, voilà. Donc vous établissez rendez-vous à Oumorilla. Vous établissez un campement, ça vous le met ici, le plus proche. Après, est-ce que si vous êtes là-bas, ça vous met pas là, ça vous met là ou là? Non, franchement, mettez-le bien là. Ensuite, comme ça, vous êtes plus proche de ces pierres-là. Vous pouvez lancer votre canne à pêche et vous attendez, utiliser l'œil de lynx, en gros. Voilà. Et vous allez pouvoir le repérer. Vous avez vu, il est très gros quand même. Et voilà. Donc là, on se rend à Strawberry pour pouvoir l'envoyer à Jérémy Gill, la personne qui voulait qu'on pêche ses poissons à sa place. Voilà. Donc franchement, c'est un beau spécimen, le poisson. Hein. Franchement, celui-là, il est vraiment pesant. Voilà, il est très gros. Mais franchement, je pensais vraiment qu'il allait peser au moins dans les 30 kilos. Mais bon, après le saumon rouge, hein, voilà. Donc en plus, après, j'ai pêché il y a pas longtemps des saumons rouges, comme le légendaire, mais qui, voilà, des saumons rouges simples. Et franchement, les poissons, c'est vraiment, ils se ressemblent. C'est vraiment juste qu'ils ont agrandi la taille, voilà, le poids. Le saumon rouge pesait combien? Il pesait 24 kilos, le légendaire. Et oh, 3 étoiles. Et ceux que j'ai pêché en normaux, ils pesaient à peine 1 kilo, voilà. 1 kilo, même pas 1 kilo 200, peut-être grand max. Je sais pas du tout, mais voilà. J'en ai vu un 1 kilo, j'en ai pêché un 1 kilo. Hop là, on fait gaffe à la diligence sinon. Voilà. Tac. Hop, donc maintenant, bureau de poste. Ça fait 3 fois que je recommence. Hop, hop, hop. La vidéo parce que je faisais des captures d'écran. Et à chaque fois, en fait, quand je faisais une capture d'écran, ça commençait le clip à partir de la capture d'écran. Donc en fait, il aurait fallu que je fasse une. Hop, hop, hop. Il aurait fallu que je fasse une capture d'écran pour commencer le clip, ce qui est totalement. Voilà, à chier, hein. Donc, on n'enfonce pas la porte, on rentre tranquillement. Envoyer du courrier. La Chigan, petite bouche, on raconte que les Chigans, voilà, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure. Et envoyer contre 5$, j'envoie. Donc voilà, le quatrième poisson. C'est le quatrième poisson, franchement, on est pas mal. Hein. Donc les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Ça me ferait super plaisir. J'ai passé au moins 2-3 jours à faire cette vidéo. Donc bah, je vous dis salut, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.